وسهلا يا رمضان، نحن اشتقنا يا رمضان، اهلا وسهلا يا رمضان. السلام عليكم mes frères et sœurs. Nous entamons par cette vidéo une série de cours sur le thème du mois béni de Ramadan. Nous commencerons aujourd'hui par vous exposer les obligations du jeûne. Sachez mes frères et sœurs que le jeûne consiste à s'abstenir des choses qui l'annulent durant toute la journée avec une attention selon des modalités particulières. Le jeûne a donc des obligations qui sont au nombre de deux. Premièrement, il y a l'intention qui a lieu dans le cœur. Elle est un devoir pour chaque jour de Ramadan. Elle doit avoir lieu durant la nuit qui précède la journée de jeûne, car sans elle, le jeûne n'est pas valable. Et il faut préciser la raison du jeûne lors de l'intention, à savoir s'il s'agit d'un jeûne de Ramadan ou autre. Le jeûneur dit donc avec le cœur, par exemple, « J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan, par acte de foi et par recherche de la récompense de Dieu. » La seconde obligation du jeûne consiste à s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Nous verrons dans notre rappel de la semaine prochaine quelles sont justement les choses qui annulent le jeûne. Que Allah Ta'ala vous accorde ainsi qu'à moi-même la réussite pour faire le bien. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème du mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum wa salam alaykum. Ahla wa sahla ya Ramadan. Nahna ishtaqna.